Bonjour mes amis, dans cette petite vidéo, on va voir comment on peut déterminer la fonction affine. Voilà, tel que, du coup, on a dit que f de 2 est égal à 10 et f de 0 est égal à moins 4, qui est bzaf dans les exercices. Alors, le devoir est aussi fait dans l'examen. Donc, nous avons bien, qui va générer la fonction affine de la première moitié de l'équation. Alors, cette moitié, on a déjà fait dans le cours. Je vais vous dire. F de 2, donc f de 2 c'est l'image, c'est bien. Donc où est l'anticipant? C'est où est combien de conseillers? Où est l'anticipant? C'est 2. C'est bien. F de 2 c'est l'image, ça veut dire 10 c'est l'image. Donc et f de 0 est égal à moins 4, ça veut dire l'anticipant c'est 0 et moins 4 c'est l'image. C'est bien. Alors, à vous le faire, quand vous on a f de x, vous avez fonction affine, alors l'écrit ici là. Donc f de x s'écrit sous forme de f de x est égal à x plus b. C'est bien. Alors, là, on a deux étapes pour déterminer la fonction affine d'elle. L'étape l'une, on va déterminer a, l'étape seconde, on va déterminer b. Donc, la première chose, donc l'étape l'une, on va trouver a. Qu'est-ce qu'on trouve a? A, ben d'accord, nous voyons a, c'est le coefficient de fonction f de x. Le coefficient de la fonction f. C'est bien. Alors, qu'est-ce que l'on va qui qu'on a deux points, ça veut dire que tu as deux points, c'est qu'on a deux points. On a déjà deux points. Premier point et deuxième point. Tel que, on a le point qui se forme d'elle, les coordonnées de deux points, les coordonnées d'un point. Donc, on a dit qu'il y a un mesélen, je n'ai rien. Had x, d'accord, l'abscisse. Et l'image qui qu'on voit leur donner l'image indigne ou 10. C'est bien. Ou là, on peut faire comme ça. 2, 10, ça n'a rien f de 2. C'est bien, on va chercher un zéro de tars. Alors, on laisse f de 0. Ça va avoir une octave b. Donc 0 moins 4. Alors 0 moins 4. Donc on peut voir ça y a 0 f de 0. C'est bien. Alors, a. On a deux points en général, deux points qu'on dit f de x, c'est le premier point, moins f de x, deuxième point, c'est x1 moins x2. Donc, il dit en général. Alors, floca, il y a f de x1 hein, de premier point, et le premier point, il y a a. Alors, f de 2, donc a, il y a f de 2, il y a l'abscisse, ou l'ordonnée, c'est le premier point. Moins l'ordonnée du deuxième point, il y a f de 0 sur l'abscisse, c'est 2 moins 0. Alors f de 2 c'est 10 moins f de 0 c'est moins 4, c'est bien sur 2. C'est 14 sur 2, c'est 7. Alors a est égal, alors a est égal 7. Donc, l'équation des nets, où f de x est égal à 7x. C'est bien. Alors maintenant, deuxième étape, il y a trouvé, deuxième étape, trouver b. Alors, qu'est-ce que j'ai B? Donc, on a dit que les points qui sont mis à cette fonction, qui sont mis à la représentation graphique de cette fonction, par exemple les points A ou B, alors, qui a quoi cette moitié-là? Ça veut dire qu'il vérifie cette équation. Alors, qui a quoi cette fonction? Qui a quoi cette fonction, plutôt? Alors, on a pris un point de là, on a pris un point de là. Mais le plus important, c'est que l'on a l'arqam de là, c'est un peu plus ou c'est un peu plus simple. Par exemple, on a pris B. D'accord, B, il vérifie cette équation. Alors, on dit que f de x, adna, le cas de le point là, il y a f de 0, il y a moins 4. Donc, c'est moins 4, et là, donc, est égal à 7 fois x, il y a 0. Il y a 0. Fois 0, plus B. Alors, B est égal à moins 4. C'est bien. Donc, notre fonction affine, il y a
f de x est égal à 7x moins 4, parce que b est égal à moins 4. C'est bien? Alors, merci à votre attention. Nous allons voir des exemples, des exercices, pour que vous ayez des fonctions affines, et que vous ayez des fonctions affines, et que vous ayez des fonctions affines, l'équation d'une droite à 3 d'accord? Parce que qui n'ont pas été pris bien à juger le droit, la fonction affine et l'équation des droits, et aux vidéos prochaines, Inch'Allah.